Come on, guy, come on, go outside, go outside. Don't fight. Vuol dire non sparare. Okay, peace. Okay, peace, my friend. Okay, say, man, so jungle, say. La belle map. Alors attendez, là-bas on a la ville, donc on a High Rise. On a la map Dome là-haut. Oh merde, c'est là que j'aurais dû aller dès le début. Parce que j'ai jamais encore vu, mais les gars, pour ceux qui ont joué à MW3, qui a joué à MW3 dans le chat, les gars? Ah, la caméra qui refait des siennes. Ah, c'est une vanne ce qui se passe. Moi, direct, je me déploie là-haut, je pense. Hein. Oh, c'est trop stylé, mec! Vas-y, je vais aller là. Hein. On va aller voir. Oh, ça va être insane. Donc, c'est ma première fois, les gars. Hein. Tout premier déploiement. Juste en dessous, c'est High Rise. Ok, j'adore. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer Oui, il y a des caisses. Alors, les caisses ne font pas de bruit. Je pense que c'est un bug. Ouais. Je pense qu'il y a des petits bugs de son. Le petit SPX50 qui fait toujours plaisir. Oh putain, et là il y a la map multijoueur juste derrière. Ok. Ça fait kiffer ça. Ça fait le café. La map High Rise juste en dessous. On va pas s'y attarder. Oh là là, c'est stylé ça. Ok. Ça on avait remarqué hein, en guerre terrestre avec Kev Kevko. Le parachute il a une meilleure maniabilité que sur le Warzone number 1. Le parachute sur le Warzone 1.0, c'était dégueulasse. Et là, il y a une... C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus intuitif. Donc je pense que ça va nous sauver la mise. Les armes, elles sont posées au sol. Genre trop bien, en fait. C'est pas pratique. Ah oui, c'est pas pratique. Maintenez G pour insérer les plaques. Non, non, moi, c'est ça, moi, ma plaque d'armure. Voilà. Ok. Et là, c'est la map multijoueur. C'est trop rigolo. Vas-y, on y va. C'est la map Embassy. Et il y a un hélicoptère en plus. Incroyable. Ah, je me balade. Hein. Là, c'est vraiment, on se balade. Hein. Ils ont patch le bug de fly. Le glitch qu'on fait avec Kev, je sais pas du tout. Mais si tu veux mon avis, je pense pas qu'il les patch. Enfin, je sais pas en fait. Aucune idée. On a pas retesté entre temps, pour être très honnête. Ok, on récupère toutes les mines qu'il faut. Les portes, elles font pas de bruit. What? Ah, c'est marrant. J'essaie de voir hein, si je peux spotter des gars un petit peu là, mais... Ah oui, donc c'est bien ça, ouais. Bon, au moins, ils ont pas copié-collé. Alors, on a un shop juste ici. J'ai 1300 balles, mais du coup, on a que deux plaques d'armure. On peut pas... On peut pas se claquer plus de plaques d'armure. Oh... Ah! Mais quoi? Non! C'est le pire début d'expérience possible. Ah, c'est fort ennuyeux ce qui vient de se passer. Oh merde, j'ai pas regardé la cinématique. Par contre, j'ai les collègues, ils ont que des problèmes. Hein. C'est depuis longtemps, je vois un diamant et je veux le prendre, sauf que je sais pas si ça va être classé comme Vox, ce diamant. Et qu'est-ce que tu me racontes, Lixi? Salut, Lixi. Le jeu, on dirait, il est pas différent. Bah, c'est MW2. Mais par contre, ça n'a rien à voir avec Warzone, premier du nom, c'est incroyable. Hein. Ah, avec un random, on fait. Ok. Oh, c'est lourd! Viens, on est potes, mec! On peut ramasser des trucs au sol! Bah, il était AFK. Attendez, moi je vais atterrir sur l'hélicoptère carrément. Oh! Ça a fait boum! T'as trop le seum, toi. Ouais, je m'en fous parce que je me suis fait fumer comme une victime tout à l'heure. Donc voilà, moi, je me venge. Oh, putain, il y a des sacs à dos et tout. What? J'y comprends rien. Mais c'est stylé. Tab, maintenir pour ranger. Ok. Eh, c'est pas facile, hein, Kev. Hein. Mes bugs sont finis, j'ai amélioré mes shaders. C'est pas facile, hein, la prise en main. Y a personne, par contre, sur la map. C'est affolant. On dirait vraiment Verdansk. Hein. On dirait vraiment Verdansk. Hein. Et ça, ça me fait bander. Hein. Oh, un skatepark. Oh là là, regardez les petits ponts et tout. Oh là là, c'est trop mignon, regardez. Oh non.
On m'a vu. On m'a vu. Alors, comment je peux faire? Si je veux... Voilà, d'accord. Ah, c'est pas pratique quand même. Hein. Et je peux quand même scroller en même temps d'être dans le sac. Ok. Faut le savoir tout ça. C'est... Est-ce qu'il y a du maquillage? Armoire à pharmacie? Mais non. Tu peux ouvrir l'armoire à pharmacie. Et tu récupères des stimulants par exemple. Ah oh, putain. D'accord. Putain, en fait, on a... Les gars, on a un sac à dos. Pour te mettre une troisième plaque, il te faut un sac à dos. Voilà, et j'ai un sac à dos, ce qui fait que j'ai 4 stimulants au total. What the fuck. Non, il y a trop de choses, mec. Là, j'imagine, c'est pour une, un atout, genre drone. Ça, je sais pas ce que c'est, et ça, je pense que c'est aussi des atouts. Ok, il y a un mec. Il y a un mec qui a drop. J'y comprends rien, et en même temps, je comprends. C'est vraiment super bien fait. Il y a un mec qui a drop, là. C'est vraiment... Alors toi t'as trop le seum. On peut se permettre de faire des trucs comme ça vu le nombre de grenades qu'on peut avoir sur soi. C'est vraiment super sympa quoi. Comment je récupère? Sac. Ok, donc ça récupère automatiquement les gars. Ça récupère automatiquement. Est-ce que t'as déjà joué Kev? J'imagine que oui du coup vu ce que tu me racontes, donc c'est trop cool. Comment t'as trouvé le gameplay là? C'est incroyable hein. Je sais pas si en stream on comprend mais putain c'est... Fallait tenter. Red, il est là. Hey man, hey man, I'm here. Se sente delle voci, hai visto? I'm here, man. Look up, look up, look up, look up. Dai, ti fa un muro, beh, come on, guy, come on. Go, go outside, go outside. Che cosa è che si dice? Don't fight. Don't fight. Vuol dire non sparare. Ok, peace, ok, peace, peace, my friend. Ok, ok, sì, man, sto facendo, sì. Don't shoot. No, no problem. Mec, c'est trop stylé de pouvoir communiquer. C'est trop stylé. Ah, d'entendre les autres. Ouais, ouais, c'est incroyable. Non, je croyais que le son était trop fort. Non, c'est pas directionnel. C'est pas comme Mumble, malheureusement. Mais du coup, on a le droit de faire des alliances, du coup. En soi, rien nous interdit. C'est incroyable. Guy, I'm friend. I'm with you. Par contre, ouais, raconte pas ta life, frérot, je me casse. J'en peux plus. J'en peux plus de l'entendre, je me casse. Vas-y, on va retourner sur Dôme. Hein. Eh, vous êtes au courant que depuis cette première game là, j'ai. Oh, salope. J'ai fait 3 fois le tour de la map, hein, quand même. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Tu m'auras pas. Ah, ça y est, je suis de nouveau vulgaire. Warzone, Warzone. Warzone, me revoilà, je suis vulgaire. Je suis désolé. J'ai vu un parachute. Oui, oui, bah j'ai vu. Allô? Il est où, mec? Le gaz se rapproche. Il y a une nouvelle zone de sécurité. Il est où? Il est où? Les caisses de ravitaillement sont de nouveau pleines. Équipez-vous. Alors? T'as voulu me niquer? Et là ça récupère tout seul. Et ben ça change de mon tout premier déploiement sur Warzone 1.0 où je suis mort genre direct et genre j'ai fait 0 kill. Là c'est quand même déjà plus intéressant donc t'inquiète, j'ai hurlé au moins 1000 injures toute la journée. J'ai vu sur Discord ton humeur. Du coup t'as l'air bien de mauvaise humeur. Complètement, complètement. Ah, il a trop le seum. Il a trop le seum. C'est chais pour moi, c'est chais pour moi, voilà. C'est chais pour moi, mais mec, incroyable. C'est super intéressant. Vous avez fini 15ème? Non. T'imagines le top 1 pour la première game?
Ah, c'était cool.